Salut les filles, aujourd'hui c'est lundi, plus une semaine qui commence. On va continuer cette semaine ensemble, si tout se passe bien, si j'arrive à faire le vidéo, mais en principe on va passer la semaine ensemble. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez bien profité votre week-end. Moi, comme vous avez vu, le dernier vidéo, j'étais au marché. J'étais aussi en centre commercial. Je viens profiter parce que moi j'aime bien sortir. Et aujourd'hui commence à faire vraiment très 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 froid. Oui, vous me voyez comme ça parce qu'on a déjà le chauffage. Ah ouais. Mais dehors fait vraiment très très froid. Froid. À bien refroidi. On va même porter une veste, mais une grosse veste. Tout à l'heure, je vais faire la physio parce que je continue encore à faire la physio. Et après, je vais passer chez ma fille parce que je vais chercher la tasse que j'avais dit quelques vidéos aussi la semaine passée, que j'avais commandé une très jolie tasse d'automne. Oui, en image, oui, c'est d'automne, je peux dire que c'est d'automne. Et je vous montrerai après parce qu'elle a déjà m'envoyé un message. Elle a dit: Maman, la tasse, elle est déjà arrivée. Alors j'ai hâte d'y aller le chercher. Et je vous montrerai après. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une chose que j'ai fini. En fait, je vais montrer que quatre projets que j'ai finis. Comme ça, je vous montre. C'est que ça que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est des projets finis. Et un que j'adore, mais j'adore vraiment, c'est celui-là. Je vais montrer. Je le porte parce que je suis vraiment contente. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'avais commandée sur Temu. J'avais commandé quatre médaillons pour border, en fait. J'avais acheté quatre kits. Et j'avais envie de commencer à faire un parce que je rêvais tellement depuis tellement longtemps que je rêvais à faire un truc comme ça. Comme j'avais dit quand j'avais montré le kit que j'avais, à ce moment-là, j'avais dit que j'avais vu une fille sur YouTube qu'elle a fait une fois un médaillon comme ça. Et moi, je trouvais joli. Je sais que c'est du style ancien, que même ça, vous voyez, c'est vraiment ancien. J'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas ça. Je m'ai montré à ma soeur, elle a dit: Ah, c'est différent, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Par exemple, sur quelque chose qui soit simple, par exemple, sous un pull simple, un t-shirt, un maillot blanc, je sais pas, un top, quelque chose qui soit blanc, par exemple, simple, ou beige, ou même bleu, ça va être joli, je pense. Regardez. Si vous voyez bien, j'ai fini ma broderie sur le médaillon. Et pourtant, en principe, je voulais pas trop faire ça, cette modèle là, parce que je trouvais que c'était pas joli. Je trouvais que c'est pas joli. Je vais vous montrer la différence. C'est comme ça, vous voyez. J'aimais pas trop le fleur, mais je sais pas pourquoi, moi, c'est ma couleur préférée. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé pour le bleu. Mais je trouve, quand vous voyez bien, je trouve que la façon comme j'avais bordé, c'est plus joli. Moi, je préfère. Ça, si vous voyez très bien. Vous voyez? Je préfère la façon comme je bordais que. En fait, le dessin, il venait déjà, il était déjà marqué sous le tissu. C'est pas moi qui a fait. Mais je pense qu'une fois que j'ai fini de border, ça paraît que c'est autre rendu. C'est pas la même chose. Bon, petit peu pareil, mais pas exactement pareil, pareil. Je sais pas vous dire. Je préfère. Le mien, la façon comme je bordais, comme la façon comme elle était bordée, le dessin, elle montre bordé en fait. Je sais pas si je me fais comprendre parfois. J'ai du mal à me faire comprendre.
Mais je suis tellement contente. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, mais moi, je suis vraiment contente et hâte de commencer les autres aussi. Et je suis contente, je vais le porter hein, dans la rue. Hein. J'ai aucun problème de le porter dans la rue. Hein. Je suis pas honte, ça. Je suis vraiment fière de ce petit projet. Ça m'a fait vraiment plaisir à le faire. Je suis vraiment contente. Je montrais à ma soeur, elle dit, ah, c'est très joli. C'est différent. On ne voit pas souvent ça. Mais c'était vraiment ça que je voulais. C'est quelque chose qu'on ne voit pas partout. Parce que moi, j'aime porter des choses. Oui. Ça, c'est aussi. J'aime porter parfois des choses que je ne vois pas partout. Je ne vois pas tout le monde porter. Et là, je suis vraiment contente avec ce petit projet. C'est vraiment un petit projet. Mais ça m'a fait tellement plaisir à faire. Je suis vraiment très contente du résultat. Et tout ça, je vais le mettre parce que je. Après, il est long. J'aimerais peut-être que. Peut-être je vais le mettre plus court. Oui, parce que j'aime pas trop. Là, comme ça, je l'aime pas. Comme ça. Peut-être je vais le mettre comme ça. Je vais le couper là. Je vais le préparer, manger à ma façon. Je préfère qu'elle soit comme ça. Mais là, il va descendre là. Et vous allez plus le voir. Sauf ce. Attendez. Sauf si je fais comme ça. Parce que moi, de temps en temps, je fais un petit bricolage. Là, vous allez le voir. C'est mieux comme ça. Comme ça, vous le voyez. Je finis ça. Et je finis aussi mon projet de novembre de point de croix. J'adore ce dessin. Peut-être parce qu'une petite dame, qu'elle fait le jardin, il y a la citrouille là. Ça donne la sensation que ma citrouille, elle n'est pas ronde là, s'arrête là. Mais le dessin, je crois qu'elle était comme ça. Maintenant que je vois, je me dis c'est bizarre. Vous ne trouvez pas bizarre? Est là, ça doit être un petit peu plus ronde, je pense, pour être plus jolie. Mais je pense que c'était comme ça le dessin. Attendez, on va voir ensemble. Oui, vous voyez, il fait pas la partie ronde là, mais le rendu c'est un petit peu bizarre qu'on le voit comme ça. Maintenant que je le vois avec vous, c'est bien. Mais oui, c'est comme ça. Ça, c'était là. Le résultat, c'est cette là. Moi, j'adore faire ça tous les mois. Mais pour l'instant, je ne vais pas encore commencer de décembre parce que j'aimerais faire des autres projets d'abord. Mais au mois de novembre, c'est prêt. Et je suis très contente de le résultat. Hein. J'aime bien. Hein. Moi, j'aime bien. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, mais moi j'aime bien. J'ai beaucoup aimé quand j'avais vu ce dessin. Je dis, waouh, c'est joli. De Noël, j'imagine que ça doit être joli aussi, je pense. Mais je suis contente. Je finis de novembre. Je finis ça. Et une chose que j'avais fait aussi, et j'ai montré à ma fille, je pense peut-être faire un pour moi, mais de façon plus adulte en fait. Je vais faire cette headband en crochet pour ma petite fille. Regardez. Comme petite fleur là. Là. Ça, c'est pour. Oui. Sauf que c'est pour des enfants. J'avais fait pour ma petite fille. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Mais moi, je vais peut-être faire un pour moi, mais avec le fil plus, je ne sais pas, au gris, au cette bleu-là. Au moins, pour quand je viens ici, ça fait, j'aime porter, j'aime mettre des choses sur la tête, pas pour porter dans la Même que j'aime bien, parfois je mets des choses sur ma tête. Hein. J'aime porter des chapeaux et tout ça.
Mais bon, c'est là, j'avais fait que pour ma petite fille. C'est tellement simple à faire et c'est tellement joli. Même ça pour offrir maintenant à Noël, je trouve que c'est joli pour offrir maintenant une petite pochette, par exemple, en plastique. Je montre ça parce que j'ai aussi un truc là. Je trouve que c'est très joli pour offrir à une fille. Moi, j'ai beaucoup aimé faire ça. Je trouvais que c'est tellement facile à faire. Et j'aime faire parfois des petites choses aussi pour ma petite fille. Je suis très contente, oui. Je vais le donner et voir si elle va aimer ou pas. Je trouve que ça va bien parce que je n'ai pas mis sur sa tête, je ne sais pas. C'est la première fois que j'avais fait ça. Peut-être après, je vais faire aussi d'autres couleurs et peut-être faire pour ma nièce. J'ai deux nièces qui sont encore toutes petites. Et peut-être faire aussi pour elle. Parce que moi, je trouvais très joli. Moi, j'aime beaucoup petites choses comme ça. Et après, c'est comme je dis, c'est tellement simple à faire. Et j'ai profité aussi parce que moi, je vais tout à l'heure faire la physiothérapie. Et ma physiothérapeute. Oh mon Dieu. Elle est très gentille. C'est quelqu'un vraiment, vraiment très gentil. On parle beaucoup et on parle aussi d'énergie. Elle est aussi quelqu'un qui aime, qui croit beaucoup à ça. Et moi, j'avais fait pour elle un petit chouchou. J'ai déjà montré. J'avais fait cette couleur. En fait, la couleur, elle est là, c'est plus flash, mais elle n'est pas si flash que ça. J'ai acheté cette plotte là. Pour faire l'écharpe de Sandrine, j'avais acheté pour ça, mais je n'ai pas encore commencé et je ne sais pas pourquoi. J'ai décidé d'utiliser un petit peu de cette laine-là, fil, c'est pas laine parce que c'est acrylique, je crois. Oui, 100% acrylique, c'est pas la laine. Et j'ai décidé de faire un chouchou pour elle, je vais l'offrir tout à l'heure. J'ai mis dans cette sachet-là. Je pense qu'elle va être contente. Et après, je vais montrer à ma soeur, je vais faire aussi pour ma soeur, pour ma nièce. Et je vais faire encore peut-être cette couleur pour moi. J'aime bien cette couleur-là, ça va bien avec presque tout. Et pour aujourd'hui, c'est tout. C'est seulement pour vous montrer que j'avais fait cette quatre crochets. Je suis contente, je commence deux autres, bien sûr. J'ai avancé deux autres, mais je vais montrer. Au fur et à mesure, vous allez voir. Mais comme ça, vous voyez, parce que quand je vais donner celle-là. Je vais donner tout à l'heure celle-là à ma petite fille. Alors, je profite pour vous montrer tout ça aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à demain.